Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mesdames, messieurs, les membres du gouvernement. Mesdames, messieurs les ambassadeurs, parents et amis éprouvés, mesdames, messieurs, permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venu, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ. Au seuil de ce voyage vers les espaces infinis, vous n'en revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a décampé dans même la course. Là. Et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a dit courage sur lui pour te parler de papa. Il t'a mis courage sur lui pour lui dire qui j'en ai de mon papa m'a dit. Qui j'en ai élevé. Éducation de recevoir de lui. J'en ai bon monde qui te travaille. J'en ai aimé et j'en ai respecté. Je dis que c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est un monde qui est rempli avec l'amour. Même les tapis vivent dans mes temps méchants. Papa m'a un modèle pour chaque grand monde. Papa m'a dit honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché d'être ensemble, même s'il t'a vécu dans la traite. Il était une compassion. Il était toujours l'aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président Pamout. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la haine. C'est un président qui a vécu pour peuple. Et qui finit par mourir pour peuple. Moi, je connais. Il y a des gens qui font nous, papa, des fois, dans mon tyran. Il y a des gens qui font nous, dans mon méchant, dans mon jab. Il y a des gens qui sont payés pour tout ça. Mais moi, je connais tout que, le matin 7 juillet, j'ai pas nous fermé. J'ai pas noté le ouvrir. Nous, bien fait, nous,
Alors c'est ça que nous avons de manger. Nous avons des garçons, des femmes sous nous. Oui. Pour nous honorer les mémoires libres dans chaque action que nous posons. Le monde qui a accent, c'est des choses qui sont fragiles. Je vous dis, on l'a, des mondes disparaissent. Mais on l'idée est simple, mais elle était éternelle. Nous sommes capables, Haïti pour Haïtien, tout Haïtien doit avoir le même droit. Haïti va être douce pour un petit parti monde seulement, mais elle est douce pour tout le monde. C'était l'idée ça, yo. C'est l'idée ça, yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, yo, yo assassiné. Mais pas oublier, on l'idée plus puissant parce que n'importe où. L'idée continue de vivre et continue de grandir. Même les vie suspend. L'idée est éternelle si on prend racine dans le cœur. Ce n'est pas la première fois qu'il a assassiné le président. Il a déraciné papa. Et pourtant, Jean a dit, on n'a pas jamais changé. Mais nous allons faire le même erreur que nous avons fait plus que deux siècles à faire. Nous allons vous remercier, vous nous allons vous remercier. Mais il faut que nous vous marquions sagesse. Ce n'est pas la violence pour nous. Nous voulons vous mettre. Oui, nous voulons vous mettre. Mais nous voulons vous mettre toute tête, nous, par les amis vietnamiens. Moi, c'était que chaque action, chaque décision, nous prend, continue à honorer mémoire président, son Excellence Jovenel Moïse. Enchaîné c'est l'occasion pour nous chercher moyen pour nous faire tête nos forces parce que je dis à nous pas marquer tristesse avec désolation n'a célébrer la vie un gros garçon qui a un rêve pour nous chaque qui l'a petite soeur majorité nationale pays. Il rêve ça, il faut continuer à nourrir, il faut une bataille pour atteindre l'objectif président Jovenel, il bataille pour lui. Parce que ce n'est pas pour lui, il bataille. C'est avec l'honneur et respect que j'ai introduit Madame Ni, Martine Moïse, une femme qui a un pile courage, qui a une fois pour encourager à demain, même s'il a souffert, pour le petit morceau dans sa sens. Merci, assez. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, frères et sœurs dans tout le pays.
Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier au fond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ses épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjouée, dotée de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Cet homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne n'a vu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert ex-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable, chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvait conduire à autant de choses. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparée. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts aux tiens? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir
sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir, mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix, contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays, provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Chers et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi. Ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur, pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Haïtien qui vivent dans quatre coins pays, dans la diaspora. Nous-mêmes qui venons supporter la famille dans un moment difficile, ça, nous disons merci en pile. Présence ou ben nous force à courage.
pour nous kakembe. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils n'ont pas assassiné Vision. Ils n'ont pas assassiné l'idée. Ils n'ont pas assassiné le rêve qu'ils ont pour le pays. Nous perdons une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. L'idée n'est pas finie. Jovenel Moïse n'a pas plagué nous en route. L'idée a déjà montré nos chemins. Et l'a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Je suis bien bas devant le cadavre Potori Garçon, président Jovenel Moïse, Marim, un bon papa, un bon mari, un bon président, un bon soldat. Nous faisons toute campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie, frère action nous a subi. Je dis à Mabdil son au revoir, ce n'est pas un adieu. Je salue chaque monde qui vient saluer des pas pour tous les garçons. Qui tape mené une bataille, qui est un pile monde qui a un privilège, pas de comprendre, mais qui voulait dire un pile bagaille pour les gens en dehors. Le jour qui est 7 juillet, c'est un jour où les gens sans foi ni loi paraît à toute volonté pour chavirer. Chaudier l'espoir pour les gens qui sont plus mal, pour les gros orteils, pour les canailles. Les gens qui commencent à prendre l'espoir et le développement parce que la route a fait de la caille, le poteau a mis, le courant a bâillé, la pompe solaire a installé pour couper grand goût. Le jour 7 juillet, mais j'ai planifié pour couper le souffle. Sans yon patron yon compte, qui mal yon tap fait pays, qui mal yon tap fait moun Haïti, qui mal yon tap fait diaspora. Moi connais ou pas de jam remè politique, jou. Ou pas de jam vle entrer dans politique. Monte toujours vle un changement réel. Ou te toujours vle la vie meilleure pour sa pi pauvre yon. Moi pas de penser que ti changement ça, ou te vle faire. Tu peux mettre de l'eau dans toute famille. Tu peux mettre de l'eau dans tout peuple. Je ne pense pas que la route de l'eau courant, qui est la base de développement de tout peuple sous la terre, qui est la base de développement et que tout peuple sous la terre doit gagner, tu peux mettre nous dans le chagrin éternellement. Nous sommes toujours où tu es toujours voulu pour graisse cochon, cuite cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que le pays a été loxou. Ça c'est la cause que les gens qui ont contrôlé les gangs, c'est la guerre de eux. Ça c'est la cause que la conspiration village Tibois te manqué pour toi aller. Ça c'est la cause que vous avez payé mercenaires. Vin dans le pays, rete pendant plusieurs mois, puis vous avez tant 6-7 juillet pour te éteindre ta lampe dans le vent. Yo goumen, juste mec doate. Jo, oligarque yo gagne une bataille. Mais yo pa konn si peuple a commencé wè clair. Si peuple a commencé comprendre. Si j'ai le calé. Qui donc ou devant? Nous perdons une bataille. Mais la guerre a poko fini. Faut que nous jouions justice pour vous. Merci. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.